T'as 2 ans? C'est ton anniversaire? Oui. C'est bien? La seule chose dont on puisse être sûr, c'est d'être là. C'est-à-dire, on ne choisit pas le moment où on arrive. C'est pas le moment où on part. Donc si on peut un petit peu s'occuper de ce qui se passe entre les deux et surtout le vivre, je dirais, ne serait-ce que pour soi, d'ailleurs, le vivre avec respect et en se rendant compte qu'on a de la chance d'être là, je crois que c'est déjà le principal. One. Tout savoir sur Daniel Balavoine. Balamed.skyrock.com. Daniel Balavoine, balamed.skyrock.com. C'est-à-dire que quand on passe de l'un à l'autre, effectivement, on s'aperçoit qu'un simple rhume dérange, mais qu'il y a quand même des choses plus graves que les rhumes. Alors finalement, le bonheur, c'est peut-être aussi avoir un rhume, parce qu'il y a des choses tellement plus emmerdantes que ça, qu'on n'est pas si malheureux quand on a un rhume. Il faut expliquer aux enfants que ce qui compte avant les choix politiques ou religieux, c'est l'instinct de vie, avant qu'il ne devienne l'instinct de survie. C'est ce que dira Daniel Balavoine pour le journal quotidien, le matin, 6 janvier 1986. Ceci est un extrait de tous les articles et archives que vous pouvez découvrir ou redécouvrir sur Balamed, Skyrock. Tout savoir sur Daniel Balavoine. Balamed.skyrock.com.